to vote and decide themselves. Je suis pour un printemps européen, mais après ce qu'on y est dedans. Une question très concrète. Vous êtes à la présidence de la Commission, c'est votre premier jour au travail. Qu'est-ce que vous faites très concrètement pour les jeunes européens ? Réfléchir avec les États membres et le Parlement européen de créer un programme de crédit pour les petites et moyennes entreprises, parce que ces entreprises, c'est la colonne vertébrale de l'économie, surtout dans ces États membres où le chômage des jeunes est le plus haut. Et leur problème, c'est qu'ils ont assez du travail à faire, assez des idées, assez des produits, assez des services, mais ils n'ont pas l'accès au crédit. La contraction des crédits est pour eux le plus grand problème. Dès qu'ils ont accès au crédit, ils investissent, et ils emploient des jeunes. Il faut leur donner un prime, soit sur les taux d'intérêt, soit sur la durée des échéances. Ça, c'est une de mes premières mesures pour aider. Et l'application de ce que nous appelons garantie des jeunes. Nous avons 6 milliards et il faut qu'on ne discute, seulement qu'on applique concrètement chaque jeune femme, jeune homme qui quitte l'université, d'avoir une chance d'un accès au boulot, chacun qui quitte l'école, d'avoir un accès à une formation, à une éducation. Merci Martin Schulz. Merci.